Ouais, mais j'ai envie de m'installer sur la plage et faire l'amour. Qui veut venir avec moi? Faut que vous soyez majeur, hein. Il est déjà 16h. Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part ça va nickel, comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo exceptionnelle. Une vidéo très particulière, mais c'est vraiment exceptionnel les gars. On est sur American Truck Simulator parce que j'avais envie. Ça fait plaisir, vous avez été nombreux à me demander un petit retour sur American Truck. Sachant que bon, moi je suis quand même full sur Euro Truck. Bah je me suis dit, tu sais quoi, on va aller sur American Truck, on va se faire un petit plaisir et on va se prendre un camping-car. J'ai vu ça sur le workshop, c'est un Freightliner, alors j'y connais rien. Mais c'est un camping-car très américain, très grand, très stylé, je pourrais vivre à l'intérieur. Je pourrais vivre à l'intérieur, c'est insane. Attendez, c'est un peu bruyant, on va rentrer directement. Donc voilà à quoi ça ressemble, c'est super joli. Je mettrai tous les modes en description. Alors on peut pas voir l'intérieur, mais ça c'est pas bien grave. Mais regardez comment c'est super stylé. Voilà, le tableau de bord, le GPS. Enfin vraiment là on s'y sent bien. Et à l'extérieur, enfin derrière je peux vous dire c'est ultra confort. Là il y a le rideau, mais c'est ultra confort derrière. Là je peux vous l'assurer. Alors les amis, on se fait un petit kiff aujourd'hui, donc pas de livraison. On est à Los Angeles, on connaît déjà Los Angeles, mais j'ai envie de me faire un petit kiff et prendre des petites routes, et notamment monter à Santa Maria, prendre voilà, cette petite route qu'on n'a jamais prise, pourquoi pas, ou celle-là, je sais pas encore, on avisera. Ah tiens, on pourrait aller à... Ah ouais! On va prendre cette route-là pour aller à Santa Cruz. Ce petit chemin-là, au bord de mer, ça va être ultra stylé. Voilà, en gros, aujourd'hui, tout simplement, on va se faire, vous l'aurez compris, on va mettre les lumières, elles sont déjà mises la lumière. On va se faire... Attends, le track. Hop. On va se faire la côte ouest californienne en camping-car by night. Et ça, c'est ultra stylé. Là, franchement, voilà, on se met bien. C'est une petite vidéo chill, une petite vidéo différente. Ça change complètement de d'habitude. Voilà, c'est quand même mieux avec les lumières, non? Franchement. Donc voilà, on est plutôt pas mal. Alors ça se conduit évidemment très différemment qu'un camion et c'est assez marrant. Bah ça me fait penser un peu à la conduite d'un bus. Hein. Bah c'est ça en fait. Puisque du coup il y a tout qui tourne. Enfin voilà, faut... ça va être assez marrant si on prend des petits chemins. Enfin, ça risque d'être assez drôle. Donc on va essayer de bien conduire. Et j'espère que vous allez kiffer ce petit format. Voilà, enfin ce petit format. Que vous allez kiffer cette vidéo parce que bah, c'est vrai que ça change un petit peu de d'habitude. Bien évidemment, sachant que alors au moment où je tourne cette vidéo, j'ai un petit peu regardé, je voulais prendre un peu des news, par exemple là comment on va faire pour tourner, oh là là ça va être drôle, il faut pas prendre trop large mais il faut prendre large quand même. Attends, en plus il y a la police, alors là faut que je tourne. Ah oui, il faut quand même que je tourne bien. Oh la vache à la gigine. Ok. C'est pas facile. J'ai pris un peu des news pour voir un peu où c'est qu'on en était. Parce que comme dit American Truck Simulator, je connais pas spécialement. Ça m'intéresse pas plus que ça. J'ai pas envie d'acheter tous les DLC sur le jeu, etc. Voilà, je suis à fond sur Euro Truck. Mais je me suis dit, je vais quand même regarder un petit peu ce qu'il en est au niveau des news. Donc je suis allé sur le blog de SCS Software. Et j'ai vu qu'il y aurait un nouveau DLC qui va sortir. Oh, j'aurais pu y aller en plus. Ça passait large. Il y a un DLC qui va sortir qui s'appelle bah en fait le DLC Texas. Et ça c'est très stylé, j'avoue que ça m'intéresse peut-être. Donc on n'a pas encore la date au moment où je tourne cette vidéo. Mais la vidéo sortira mercredi, peut-être qu'il y aura la date, mais je pense pas. En gros ils sont en train de préparer le DLC Texas avec plusieurs villes. Notamment il y a San Angelo, Waco ou Vaco, Galveston et Amarillo. Voilà, je connais pas du tout hein. Je connais pas du tout. Mais et puis c'est pareil en fait, ouais ok c'est des paysans, c'est stylé, mais c'est pas aussi stylé que ça là, ce qu'on est en train de voir là. Parce qu'en vrai ça va être le désert, enfin je sais pas, ça m'attire pas plus que ça. Mais comme ça voilà, vous le savez, je vous donne un petit peu cette update. Bon il n'y a pas encore de date, mais du coup il y aura une mise à jour sur le Texas qui peut être assez assez intéressante. Il n'y a aucune lumière, c'est un truc de malade. Et là on va à gauche. Là je me croirais vraiment, je me croirais vraiment sur GTA. C'est pour ça exprès je voulais reprendre ce chemin parce que ça fait longtemps. Là on est vraiment sur GTA. Là normalement il y a le parking sur GTA ici là. Ah bah oui, mais il y a vraiment un parking en plus. Ah ouais, mais attends c'est trop chelou. J'ai vraiment l'impression pour le coup de... Ah ça c'est vraiment stylé. Alors j'espère que ça va vous plaire qu'on roule de nuit aussi. Parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien quand je roule de nuit. Donc là j'essaye de mélanger un combo pour faire le plus plaisir à un max. Rouler de nuit, changer de véhicule donc avec un camping-car. American Truck et en plus la côte ouest californienne. Franchement,
que demande le peuple? Que demande le peuple? On mettra peut-être le jour après. Normalement, j'ai la console. Ouais, c'est bon, j'ai activé la console. Donc, on mettra le jour après, peut-être quand on fera la nouvelle route que j'ai pas encore prise, histoire qu'on en prenne plein les yeux. Mais là, tout ça, on n'a jamais fait de nuit, donc on en profite. Hop là. C'est sympa la petite conduite là en camping-car. Le feu est vert, vite, 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 on en profite. On en profite. C'est moi, je passe. Oh putain, la vache. Oh la vache. Ok, là il faut que j'aille à gauche. Là il faut que j'aille à gauche. Ça c'est un peu mal pensé. Attends, le camion de pompier. Je suis en train de bloquer tout le monde. Hein. Sachant que normalement aux États-Unis ils ont le droit de tourner à droite si le feu est rouge. Donc là je suis en train de faire chier s'il y avait des gens. Ok, merci. Quoi? Mince! Je suis rentré dans le camion, j'avais pas vu devant. Bah ouais, j'avais pas fait attention. Mais oui! Mais parce qu'avec un camion, normalement, la cabine elle aurait tourné, tu vois. Oh vas-y, j'y vais, je m'en fous. Vite, 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 vite. Ça passe. Ça passe. Ok. Ah, c'est pas pareil hein, à conduire, mine de rien. C'est pas le même. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Bon, les amis, de quoi peut-on parler? En vrai, j'ai envie de vous dire plein de choses. Et ça, c'est vraiment cool. Oh la vache. Ah ouais, par contre on va se prendre beaucoup de fois la bordure je pense. Alors dans un premier temps, le camion des abonnés, donc ce petit concept en gros où vous montrez vos camions, j'avais oublié de préciser quelque chose. Vous pouvez totalement, alors je vais pas vous montrer aujourd'hui le camion des abonnés. On va faire ça uniquement sur Euro Truck. Mais sachez que vous pouvez très bien m'envoyer vos camions de American Truck. Voilà, c'est très bien aussi, tant que c'est des camions, même des camions dans la vraie vie, peu importe. Voilà, c'est sur Euro Truck, mais vous pouvez très bien me montrer des camions d'American, des camions américains en fait concrètement. Peu importe, voilà, le but du jeu c'est stylé, tu vois, c'est de voir un peu vos camions, de se faire kiffer, avoir un peu vos créations, vos customisations, etc. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc la prochaine vidéo Euro Truck, vendredi, je montrerai quelques-uns de vos camions d'abonnés, voilà. Deuxième truc que je pourrais dire les gars, on est lundi au moment où je tourne cette vidéo. Et la vidéo sort mercredi. Et ben sachez que le jour où cette vidéo sort, je suis censé, sauf si je le reçois avant, mais je suis censé recevoir. Je suis censé recevoir. Ah, je voulais, ah oui, mince, je voulais pas le dire en vidéo parce que je voulais pas spoil. Bon, de toute façon, j'ai dit sur les réseaux, mais. Je vais recevoir l'Oculus Quest 2. Voilà, je vais recevoir le casque VR. Je vais le recevoir. J'ai craqué avant même que vous allez voir, en fait. Parce qu'il y a tout qui est tourné un peu à l'avance, mais la vidéo de dimanche, c'est une vidéo où je réessaye le casque VR sur Euro Truck. Mais ça, c'était avant que je l'achète. Donc il faudra voir cette vidéo. Mais par contre, donc mercredi, donc aujourd'hui au moment où la vidéo sort, je reçois mon propre casque VR. Je peux vous dire que ça va être insane et que je vais kiffer. Alors je sais pas si je ferai un live le jour même ou pas, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Par contre, je ferai un max de contenu avec le casque VR, ça vous pouvez compter sur moi. Et notamment sur Euro Truck évidemment. Ça va être vraiment très stylé hein. Ça va être vraiment très stylé. En tout cas pour le moment les lives normalement, si ça n'a pas changé, les lives sont sur Minecraft actuellement parce que je suis trop hypé par Minecraft et c'est trop cool. Voilà, c'est trop cool. Donc, mais en tout cas, voilà, derrière, je fais un max de vidéos Euro Truck et American Truck, ce qui fait donc que je peux me permettre un peu de faire des lives différents et qui me font plaisir. Voilà, on va pas se mentir. Alors, il roule pas bien vite, hein. Viens, je les double par la droite. America, fuck yeah. Ouh, c'est 45 miles par heure, je suis à 66. Ça freine devant, ça freine devant. Ah c'est normal, il faut se rabattre. Ouais, bon moi j'ai gratté J'ai gratté. Mais c'est rigolo à conduire, on va mettre le jour après là. On va mettre le jour très bientôt. Oh la vache. Là on est où là? Oxnard. Ah bah ça y est, on arrive déjà On arrive déjà Ah non, on n'y arrive pas encore, non on n'y est pas encore, j'ai rien dit. Ok, dès qu'on passe Oxnard, après on mettra le jour, d'accord? Et après ce sera Santa Maria. Et après on va découvrir une nouvelle petite route. Oh qu'est-ce que c'est qu'ils font. Qu'est-ce que c'est qu'ils font. Il y a un petit côté sympa avec ce camping-car, je vais pas vous mentir. Bon là il fait nuit donc on voit pas grand-chose mais... Tout 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 tout. Ce que je disais aussi très important. Eh ben, heureusement que ça freine bien. Ce que je disais, parce que nombreux vous étiez en train de me demander pour faire des convois abonnés sur Euro Truck. Et en fait, ce que j'ai dit et ce que je répète et j'ai vraiment trop hâte, c'est que bientôt, SCS Software, ils vont ouvrir, ils vont faire des serveurs avec plus de monde.
C'est-à-dire, on pourra. Actuellement, on peut être 8 joueurs seulement. Enfin, seulement, entre guillemets. On peut être 8 joueurs. Et ben, en fait, vraiment, quand le nombre aura. Quand le nombre aura augmenté. Attends, je comprends rien. Oh la vache. Quand on pourra être plus nombreux, comptez sur moi pour vraiment faire des gros serveurs. Et on pourra tous se rejoindre un peu comme à la Truckers MP. Ça, vraiment, ça va être juste trop bien. Ça va être l'explosion. Vous allez voir des vidéos multijoueurs sur Eurotruck. Mais tant que. On peut que être que 8 joueurs, c'est un peu plus complexe parce que je préfère prendre des gens avec qui je m'entends bien. Et donc du coup pour ça il faut vraiment que je sélectionne. Et j'aime pas sélectionner des abonnés en plus, j'aime pas faire ça, c'est... Ça sous-entend que... Oh moins de bruit là, c'est la nuit. Ça sous-entend qu'il y a des abonnés qui sont chiants ou quoi tu vois, et j'ai pas envie de faire sous-entendre ça. Hop là, j'ai le droit de faire ça hein. Aux États-Unis on a le droit de passer au rouge pour aller à droite. Enfin ça dépend les états. Mais il me semble qu'ici on peut. Bon là on va attendre, là on est vraiment sur GTA hein. Eh venez, on roule sur la... On roule sur les rails. Frère, le mur invisible. Ça va, la barrière a été réouverte. Exagère pas non plus des bonnes choses. Hein. J'aime bien le tableau de bord. Alors ça, ça vient d'un mode aussi. Hein. Mais comme dit, je mettrai tout en description. Ne vous inquiétez pas. J'ai pas beaucoup de mods. Mais le peu de mods que j'ai mis, c'est assez cool. Tatitatatin. On est vraiment aux States là. J'entends un hélicoptère alors qu'il fait nuit, frère. Laisse les gens dormir quand même, non? Oh. Incroyable. Les gars, je vous jure, j'ai tellement hâte. J'ai tellement... En fait, je vous jure, j'essaie de contenir, j'arrive pas. Là, j'extériorise comme ça, mais d'avoir ce casque VR, bordel de cul. Mais vous vous rendez compte? En vrai, je sais pas comment ça va rendre. Mais en vrai, je pense que... Parce que j'ai toujours été contre le casque VR, parce que je ne connaissais pas, en fait. Je ne connaissais pas. Et j'en parlerai, je pense, j'en ferai une vidéo dédiée, tellement il y a de choses à dire. Mais... Peut-être que les prochaines vidéos Eurotruck, vous allez me voir avec un casque sur la tête, quoi. Et vous verrez plus mes yeux, je ne sais pas. Je sais pas comment ça va être, parce qu'en fait... une fois que j'aurai commencé sérieusement à faire du Eurotruck avec la VR, je voudrais plus retourner à ce format-là, avec une casquette, à regarder les écrans. Je pense que je ne voudrais plus de ça. Donc, je sais pas, mais il faudra voir. Parce qu'en fait j'ai remarqué, mais là c'était seulement avec le peu de tests que j'ai pu faire, mais en fait quand t'as le casque sur la tête, bah c'est comme dans la vraie vie, tu ressens pas de la gerbe. Mais par contre, le gameplay, y a tout qui tremble dans tous les sens, pire que le track hier. Donc il faut voir, je pense qu'il y a des réglages à faire. Évidemment j'ai pas envie de vous donner la gerbe. Donc je sais pas, on verra comment ça se passe, ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, le contenu sera toujours Eurotruck, bien au contraire à ce niveau là. Là on va vraiment se faire kiffer, mais c'est vrai que, voilà, est-ce que je serai tout le temps avec un casque VR ou pas? J'en ai pas la moindre idée, mais je resterai le même et ça va être juste génial. Et j'ai vraiment trop hâte de pouvoir faire... Ah non, ça va être juste génial. Je pense à tellement de choses. Et pas que... Enfin, il y a la création de contenu qui m'intéresse, pouvoir jouer à des jeux, mais même en off, en fait. Ça va être une pépite d'avoir cette putain de casque sur les yeux. Et... L'avenir fait peur. L'avenir de l'humain, je parle, hein. Mais on va profiter de ces moments de joie avec avant de perdre toute l'humanité qui nous reste encore. non mais c'est vrai, je vous jure, je pense qu'il y a une vidéo qui pourrait carrément... Ah si, je mettrai en description si j'y pense, une vidéo que j'ai regardée qui était vraiment super intéressante sur la réalité virtuelle. Et elle est très sympa, mais c'est vrai que l'avenir est dark, mais bon. Alors là ça freine, regardez qu'est-ce qu'on fait avec un camping-car de luxe. Hop tac, on se met sur la voie de gauche et on double tout le monde tel des prioritaires. Parce que nous on a de la patate hein. On a de la patate. Non, fais pas ça. Fais pas ça monsieur. On fait pas ça. Ah oh là là, c'est stylé. Ah oui, j'ai dit qu'on mettrait le jour. On va remettre le jour. Par contre, avance hein. Allez, t'as une Nissan je sais pas quoi là. Attends, j'ai des trompes ou pas? Ah ouais, j'en ai. Je savais même pas que j'en avais. Parce qu'à vrai dire, je l'ai pas trop custom hein, le camping-car. Ça y est, là, il accélère là. Il essaye de me provoquer. Il essaye de me provoquer, mais je vais toujours plus vite que toi. Allez, on se rabat. Mais freine pas. Allez, ça part sur un road rage. Voilà, je lui mets la pression là. Là, je lui mets la pression hein. Oh, il y a encore la police. Là, il va freiner. Ah oui, hein. Ouais, c'est un accident et tout. Oh la vache. Ah ouais, ils se sont même mis sur la route. Ils en ont rien à foutre. Ok. Je vais mettre le jour, du coup, les amis.
Est-ce que je peux encore tourner le volant? Non. Quand j'ouvre la console, ça ne marche pas. Alors attendez, je vais me mettre sur le côté. Je vais me mettre sur la bande d'arrêt d'urgence. Parce que c'est une urgence capitale. Et on va mettre le jour. C'est vrai, il y en a qui me demandaient si c'était possible de mettre le jour. Mais du coup, oui, c'est possible. Alors pas en multijoueur manifestement, mais en solo, ça fonctionne. Avec la console, tout simplement. On va mettre le frein à main. Alors, du coup, tu ouvres la console. Il y a plein de tutos sur internet, hein, je vais pas vous mentir que. Normalement, tu fais. G. Tirer du bas. Et j'arrive jamais à le faire. Éclater au sol. Et là, tu cherches. Set time. Set time. Et tu mets l'heure que tu veux. Donc, moi, je vais mettre midi. Magnifique. Ah, hé! Regardez à côté de quoi on passait depuis tout à l'heure. On avait la mer. On avait la mer. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Incroyable. Allez. On est parti mon kiki. Ouh. Là ça va être très sympa. On arrive sur Santa Maria. Deux jours c'est quand même plus joli hein, ce jeu. La nuit c'est sympa sur Euro Truck, mais American Truck de jour c'est mieux. Merde. Ah ouais, tu vois, je cogne le bas-côté. Ouais. Là je peux vous dire que mes affaires derrière elles sont bien accrochées, bien sanglées hein. Mon canapé il est sanglé, mes meubles, mes armoires et mes boissons, tout est sanglé hein, parce que sinon ça tiendrait pas hein. Wesh, on est sur GTA. Frère, on est vraiment sur le au pont de GTA et tout là. Non, je viens de réaliser, on est déjà passé par là, je vois que c'est déjà jaune. Mais maintenant que j'y pense, c'est vraiment... En vrai, GTA, ils ont vraiment bien reproduit les States. Hein. Au même titre qu'American Truck. C'est génial, hein. Genre là, il y a le Mont Chiliad, là. Ouah, la vache. Ah, les camions qui doublent les camions. Mais qu'est-ce que c'est pénible, ça, hein. Ah, et tout ça pour aller à 1 km/h de plus, hein. Oh, la vache. Oh, c'est chiant, hein. Allez. Regardez comment on fait. Alors, je suis pas sûr qu'avec le camping-car ça passe. Voilà. Avec un camion. Avec un camion, ça serait passé à cause du cul. Mais là, comme la. Comme tout est en ensemble. Oh, c'est compliqué. Hein. Ah, mais c'est ça en fait. C'est comme si je roulais un porteur. Bah oui, en fait, c'est comme si je roulais un camion porteur finalement. Voilà. Bah gros big up à ceux qui roulent les porteurs là, ceux qui ont commencé leur dans le monde du routier et tout. Ok, on est arrivé à Santa Maria. Il faut que j'aille où là? Il faut que j'aille où? Pas faire de bêtises. On va enlever on peut enlever tous les points. Voilà. Là maintenant je vais prendre cette route là. Voilà. Tac. On va longer la mer pour aller à Santa Cruz. Ça va être trop stylé. Et y a pas un point de vue à quelque part où on pourrait finir? Tesla, oh la vache. Il y a plein, et c'est trop stylé hein. San Francisco, en vrai on peut se faire toute la côte ouest. Non, on va peut-être pas exagérer des bonnes choses. Mais c'est trop stylé. En vrai on va s'arrêter oui si on va s'arrêter à Santa Cruz, on va pas se prendre la tête ici là. On va passer devant le point d'interrogation. Voilà. Parce que vous savez que j'aime bien les points d'interrogation. Et comme ça là-bas on arrêtera. Là j'ai hâte de découvrir la route. Donc là je vais rester ici pour être sûr de pas rater une sortie ou quoi. Bon. Allez, ça m'a saoulé. On est pas là pour déconner. Ouh. Incroyable. Tintin. Oh bien. Il se rabat. Oh là, attends, ça tourne. Ça tourne. Ah, on a vu des traces de frein là sur le. Il y en a qui sont allés dans le décor par ici. Hein. Il y a le train à côté, il y a un train. C'est vraiment GTA. Il y a le train à côté, il y a des rails. Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou furieux. Waouh. Là, on avait fait une mission sur GTA, fallait sniper quelqu'un, je m'en rappelle. C'est exactement ça. Ah, c'est exactement ça. C'est un truc de taré. Ok, bah let's go. Eh, hey, j'ai trop hâte de découvrir la route là.
Parce que je pense qu'elle va être chill. Là on sort. Là on sort. Je pense que la route elle va être toute chill, toute belle. Vous avez progressé, vous êtes maintenant niveau 54. Ah d'accord. Merci. Alors là par contre. Voilà, vache. Eh ben heureusement que ça freine hein, ce merdier hein. Heureusement que ça freine, lui il tourne. Là y'a personne. On est parti. Putain, faut y aller. Eh, c'est vrai, faut tourner. Hein. Un camion porteur, faut tourner quand même. Hein. Ça va, messieurs? Oups. Ah ouh. Putain, c'est le No Man's Land ici ou quoi? Tant mieux. Hein. Très beau camion. Très très beau camion. Ok. Ok, let's go. Oh les gars, allez voir la dernière vidéo de. Sauf s'il a sorti une nouvelle, mais. Très intéressante, ceux qui sont intéressés par Grand Utopia, par toutes les news. Enfin voilà, si vous aimez bien la map et tout, My Godness il a une chaîne YouTube. Et ma description elle va être full remplie hein. Bref, mais je mettrai aussi en description la chaîne de, et sa vidéo surtout de L7C Fox de My Godness. Moi je mettrai aussi L7C Fox puisque j'en ai parlé. Voilà, je mettrai tout le monde. Mais My Godness il a fait une vidéo super intéressante. En gros on le voit rouler. Bon le salaud il me fait chier parce qu'il joue en 4K quoi. Je crois, hein, si je dis pas de bêtises, et c'est trop la classe, la 4K. Putain, j'avoue, j'ai le seum quand je le vois comme ça. Mais bref, et du coup, il a fait un road test, il a roulé et tout. Et il a parlé un peu de comment ça se passait, des problèmes qu'il rencontre avec Grand Utopia, enfin, ou plutôt avec la création de Grand Utopia et tout ça. Du map making en général. Oh! Et tous ces trucs-là de manière générale. C'est magnifique! Donc, faut vraiment que vous alliez voir cette vidéo, c'est super intéressant. La miniature! Attendez! Là, on va faire une miniature! C'est obligé qu'on fasse la miniature là. On pourra toujours en refaire d'autres. Oh la vache. Oh mais si avec ça je fais pas 1 million de vues. Attendez, c'est génial. On met à donf la saturation, très important hein, les gars hein. Si vous voulez vraiment faire un truc bien aguicheur, est-ce qu'on ferait pas? Bien sûr. Mais les gars, on sait même plus si c'est la réalité. Là, ça me plaît beaucoup ça. Ça me plaît beaucoup, force de fou quand même. Attendez, parce que moi ce qui me dérange c'est la distance focale. En fait j'aime pas la ligne là-bas. Bon c'est pas grave. Oh là là, mais c'est magnifique. Ça je pense, il y a 98% de chances que ce soit la miniature hein. En vrai, il y a 98% de chances. Ouah, mais j'ai envie de m'installer sur la plage et faire l'amour. Qui veut venir avec moi? Faut que vous soyez majeur hein. Ah, faut être majeur quand même hein. Ah bah oui. Il y a une autre route à droite en parallèle. C'est incroyable. Waouh, il y a un bateau et tout. Je suis en train de réaliser ce que je viens de dire. Bon ça va, j'ai rien dit d'illégal, mais bien au contraire. Ouais, mais c'est trop stylé, il y avait un chemin ici. Pareil, il y avait une route là. Attendez, j'ai raté quelque chose là. Ah ouais, j'aurais dû passer par là. Si j'avais su, j'aurais dû passer par là. Mais c'est vraiment GTA pour le coup. Avec le petit chemin. C'est vraiment GTA. Bon c'est pas grave. C'est pas grave. On s'imagine qu'on est juste plus proche. Oh, y'a un parapente! Vous avez vu, y'a un parapente! Un parachute! Mais c'est incroyable! Mais y'a beaucoup de choses, trop de choses! Y'a beaucoup trop de choses! Oh la vache à la gigine! C'est incroyable! Tellement je me croirais sur GTA, j'ai envie de tirer sur le camion devant et que ça fasse pas! Non, je rigole. Là, je suis peut-être un petit peu fou. Je suis peut-être un petit peu psychopathe. Attendez, y'en a, ils font des pompes et des tractions. Non, pas du tout. Non, mais là, vraiment, je me croirais vraiment. J'ai envie de sortir du camion et avoir 5 étoiles et esquiver la police. Oh la vache. J'ai bien fait de prendre un camping-car pour cette route en vrai. Genre ça va vraiment parfaitement avec l'environnement. Oh, c'est génial. Ah ouais. Ah, je suis content de faire cette vidéo, je suis pas déçu. Hein. Je suis pas déçu. J'ai un peu mordu sur le côté de la route, je m'en excuse. Ah, je suis franchement pas déçu, tu sais, en vrai j'étais en mode bon bah est-ce que vraiment la vidéo va intéresser, combien de temps je vais tenir, et en fait c'est que du kiff là. Parce que là du coup c'est vrai, on n'a pas de mission, on est juste en train de rouler et de chiller. C'est pas genre conduire un camion sans rien, là il y a un intérêt, c'est un camping-car. C'est genre comme si tu voyageais quoi. Pouah, c'est trop beau, faites péter la saturation par ici les gars. Oh la vache. Et ça en réalité virtuelle. Est-ce qu'on peut jouer à GTA en réalité?
Est-ce qu'on peut jouer... Non, frère, si on peut jouer à GTA en réalité virtuelle... Mais je n'ai plus de vie. Je vais au club de striptease H24. J'en peux plus. Pourquoi je dis des âneries comme ça? Bon, allez. Trêve de... Oh, un avion. C'est un avion de chasse, ça, je reconnais. Hein. C'est un rafale, hein. Ah, bah oui, parce que... Bah oui, parce que là-bas, il y a la... Il y a la base militaire. On est en train d'aller à la base militaire. Putain, c'est un truc de malade. Et là, moi, je pense à ceux qui n'ont jamais joué à GTA et qui savent absolument pas toutes les rêves que je dis. Mais en vrai, je pense que vous savez tous de quoi je parle. Genre... Mais frère, il y a exactement ce pont en plus dans... Mais c'est incroyable. Non. Mec, c'est un... Ça me fascine. En fait, tout est GTA et je suis en train de découvrir ça genre 30 ans après. Parce que tout le monde était déjà au courant de tout ça, quoi. Moi, je suis en train de découvrir ça 30 ans après. C'est insane. Tu sais, on pourrait faire un... Il y en a beaucoup qui font des... Enfin, à l'époque, c'était les vidéos GTA versus Reality. En fait, là, on peut carrément faire American Truck versus GTA. C'est fou. C'est fou. Bon, je préfère les routes comme ça que sur GTA, hein, du coup, mais pour le reste, c'est la même chose. Bon, par contre, ils sont très lents. Hein. Ça, c'est comme sur GTA. Et moi, vous savez que j'aime bien un petit peu faire péter la patate, moi. Hein. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau. Je suis vraiment pas déçu de faire cette route-là. Hein. Oh la vache. Ah, je voulais doubler, mais je crois qu'il y a une voiture en face, non? Pas du tout. Je vais faire une connerie là. Je le sens, je vais faire une connerie. Stoppez-moi. Arrêtez-moi avant que je fasse une connerie. Évidemment, quand je vais faire ça, il y aura une voiture. Hop là. C'est moi le boss, c'est moi le boss, c'est moi le big boss. Bon, ouais, il en a vraiment de la... il en a dans la patate quand même, hein, parce que ça, dans la vraie vie, je suis pas persuadé que tu peux faire une accel comme ça, et ni un freinage comme ça. Hein. Là, clairement... Ouais, encore un pont. Oh la vache. Bixby. Hi Bixby. Hi Bixby. Bixby Bridge. Si j'activais vos téléphones Samsung, je suis un beau gosse. Hi Bixby. Dis Siri. Ok Google. Là, je vous fais tous chier. Alexa. Lance une vidéo d'Emcolo. Oh la vache! Eh, je me suis cru en moto là. Je me suis cru en moto. Carrément quoi. Carrément, je pose le genou. Hop là. Ah là, on est bien. Miaou. Là, je me suis vraiment cru en moto. Hein. Oh la vache! Ouais, bah ça. Même sur Eurotruck, je freine pas comme ça, ça marche pas. Hein. Mes réglages, ils sont différents et heureusement parce que là, je serais mort en fait, là, concrètement. Miaou. Oh, c'est trop. Oh là là, mais c'est magnifique, ma parole. Ouh. Eh, qui veut monter avec moi dans le camping-car? En vrai, c'est Europa Park gratuit, hein. Ça coûte cher, Europa Park. Attendez, il y a la police. Salut. Salut la police. Excusez-moi. Ça va bien? Eh, moi aussi j'ai les deux tons, hein, écoutez. Ah bah non, de toute façon aux États-Unis ils ont pas les deux tons, eux. Eux c'est les sirènes américaines. Attends, ils font quoi si je fais ça? Ah, ça leur a pas plu, ça leur a pas plu. Je peux comprendre, je peux comprendre. Je suis pas déçu. Vous savez, il faut absolument vivre une vie sans regret. Donc voilà, si je l'avais pas fait, j'aurais regretté. Donc je l'ai fait. Et comme ça, je n'ai aucun regret. Et je suis content. Tintintin. Mais en fait, le titre de la vidéo, c'est pas côte ouest californienne en. Oh, ça, c'est dangereux ça. Oh, camion Tesla. En fait, le titre, c'est je me crois en moto avec un camping-car, quoi. Ça dégage. Il est parti dans l'eau. Hein. Ah, lui, je l'ai envoyé dans l'eau. Hein. Hop, ça c'est tout pour moi, c'est merci. Hein. Merci aux clients fidèles. Hein. Bon, allez. Hop, ça fait du bien un peu de lâcher prise comme ça en vrai. Hein.
Oh là, je peux encore doubler. Oh là là, c'est beau. Les routes, elles sont larges en plus. T'imagines, t'as ça en France. Ouais, bah, je roulerai comme ça, quoi. Non, mais t'imagines, t'as ça en France, des routes comme ça, aussi belles, aussi larges comme ça. Oh, ce serait incroyable. Bon, il y en a en France, mais voilà, frère, ça concerne quoi 3 communes. Tintintin. Oh, la bagnole là. Ça pète, ça pète, ça pète. Oh là là. Oh, et les effets de brume comme ça là. Oh là là. Little cowboy. Yeah. Oh la vache. J'ai failli tuer un policier. C'est le titre de la vidéo. Franchement, on est bien. Bon, j'ai juste des voyants moteurs qui sont allumés, je crois. C'est pas rien de très alarmant. Ah, j'ai repris une conduite chill, hein. Vous avez vu là maintenant. Bon, de toute façon, vous avez vu le GPS, surtout là, les virages. Donc là, on y va calmement, on y va sans pression. Et je m'en j'aille. Je fais mes bye. Là, c'est die. Oh là là. Et les gens, ils jouent à Fortnite, quoi. Ça va, je rigole. Oh, je rigole, on a le droit de rigoler quand même, hein. On est une bande de jeunes, on se fend la gueule, hein. Non mais c'est vrai, sans déconner. Oui, il a du mal sur le passage des vitesses, hein. Je crois que j'ai vraiment serré le moteur, quoi. Excusez-moi. Je me suis trompé de... J'ai cru qu'on était en Angleterre en fait. Les effets de fumée là comme ça, de brume, d'eau, de condensation, je sais même pas comment ça s'appelle, mais c'est trop sympa. Hein. Super sympa. Hein. Ça va? Ça va vous sinon? On est pas mal là. En vrai, je roule pas mal, hein. Bon, après, j'ai l'habitude, je vais pas vous mentir, avec ma 206, quand je roule à 150 et que je double des bagnoles, bon bah voilà, c'est à peu près la même chose, quoi. Ne faites pas ça! Seuls les pros peuvent le faire. Non, je rigole, je fais même pas ça. Oh, oh. Toujours, les gens, ils croient tout ce que je dis. Il faut pas me croire. Enfin, pas surtout, en tout cas. Ouh. Et ben voilà, on est arrivé à Santa Cruz, si je dis pas de bêtises. Le point d'interrogation, bah c'est un man. On va s'arrêter au man. Tintintin. Hop là. Voilà, nickel. Comme ça, il pourra réparer mon camion aussi. Je paierai plus cher, mais c'est pas grave. Service, et ben voilà. Hop. Tintin, bonsoir. Bon, comme pour le moment je sais pas encore où je vais me garer, je vais le mettre sur le côté. Je vais demander directement au bureau où c'est que je me mets. Hop, la petite marche arrière qui fait toujours plaisir. Ah oui, c'est pas pareil qu'avec une remorque, hein. Oh la vache. Ah ouais. Ah ouais, je pourrais pas faire du... Bon, après, une semi-remorque, c'est plus petit, je crois. Hein. Enfin, une semi-remorque. Un porteur, c'est plus petit, non? Je suis même pas sûr. Bon, voilà, ça passe. Et ben voilà, les amis! On l'a fait! C'était sympa, en vrai. Hein. Moi, j'ai kiffé. Je regrette pas d'avoir fait cette vidéo. Hein. Je vais pas vous mentir, j'ai trop kiffé. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Que ça vous a détendu, relaxé, tout ce que vous voulez. Et que ça vous a malaxé. Moi, je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos, pour de prochaines aventures. J'ai très très hâte du casque VR, je vais pas vous mentir. Je vous fais plein de bisous. C'était Mkolo. Ciao tout le monde!